Bonjour mes délicieux papillons. Alors je vous fais une petite vidéo d'un endroit un peu particulier, tout près de chez moi. Donc vous voyez derrière, c'est une maison à livres. Et en fait, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous poser une petite question. Êtes-vous enseignable? Ça veut dire, alors on se demande peut-être, oh, est-ce que ça veut dire être enseignable? Être enseignable est simplement chercher à toujours comprendre, savoir, apprendre plein de choses. Alors, il y a plein de vélos qui vont passer, ça va faire un peu de bruit. Et donc, bonjour. Et donc voilà. Alors, cette maison justement m'interpellait me posait cette question. En disant, mais voilà, est-ce que vous connaissez l'importance de rester enseignable, quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse. Souvent, on se dit, oh ben oui, bon, j'ai fini l'école, voilà, j'ai plus besoin, j'ai passé les mauvais moments, c'est passé, c'est terminé. J'ai appris ce que j'avais à apprendre et c'est bon. Mais en fait, non, on doit continuer à être enseignable toute notre vie. Et l'évolution et l'avance et les changements dans notre vie viennent de l'ouverture que nous avons à apprendre de nouvelles choses et à être ouverts à des nouveaux enseignements et voilà, de nouvelles choses et toujours apprendre plus. Et les livres, en l'occurrence, sont une belle opportunité pour nous d'apprendre plus et d'être ouvert à de nouveaux enseignements. Et donc, ben voilà. Alors pour ceux qui savent, je vais bientôt publier mon livre. Donc il est en correction pour l'instant. Et bientôt, vous aurez les préventes vont être lancées. Et donc c'est aussi une agréable manière d'être ouvert et d'avoir l'esprit ouvert et ouvert au changement. Et donc, si vous êtes intéressé par mon livre, n'hésitez pas à me contacter et je vous envoie les informations dès qu'il est là. Et donc, ben voilà la petite vidéo du jour que j'avais envie de vous partager. Je vous embrasse et je vous retrouve demain.